والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، والتقوى ها هنا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى أن تكون حاضرين فيما أمرنا الله ورسوله وغائبين فيما نهاه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Frères et sœurs, serviteurs Allah, me conseille moi-même au premier ainsi que tout le monde qui va écouter concernant sa grande ibadah jikir qui appelle At-Taqwa. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fit montrer sur lequel il dit At-Taqwa ha hunak. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous dit chacun parmi nous par degré de sa taqwa qui est dans nous le cœur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran inna akramakum rindallahi atqakum, certainement auprès d'Allah, ben qui n'a plus grand valeur, ben qui n'a plus noble, auprès d'Allah c'est celui qui n'a plus beaucoup taqwa. Frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps les avouer ben signe, les avouer ben signe pour qui ben dimoun qui n'a iman ainsi que ben dimoun qui peine à iman réfléchit. Et à travers ben signe que Allah subhanahu wa ta'ala avoué, à travers ben l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala donné, à travers ben signe qui disant et n'a qui mentionné le Coran ben ayat, ben signe que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, c'est pour un seul réseau, c'est qui ben dimoun, je te lire, je te comprends, je te médite le ben signe là. Si je me trouve ben signe, je te médite et je te décide pour faire la vie une plus meilleure. Avec ce ben événement qui nous peut trouver autour de nous, nous peut trouver que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner ben signe, peut faire nous trouver qui nous pas envie de trouver, mais si on peut faire nous trouver, nous les nous parler, qui nous l'amour, les bien prêts. Malgré nous connaît qui celle qui chose qui vraie, malgré nous connaît c'est celle qui chose qui achievable, celle qui chose qui nous sied, nous pourrait s'y gagner, celle qui chose qui personne pas vous avec ça, c'est l'amour, c'est le rencontre qui personne pas vous avec sa rencontre là, c'est le rendez-vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala fini mettez ce lait, ce minute, ce seconde, kouma, écoute ça. Mais seulement, ça même quelque chose qui nous fait raflat avec, c'est l'amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, allô, fais un dimoun qui n'a iman, trouve un signe qui vient arriver dans le monde, afin qu'il y reconnaisse lui-même qui m'a aussi mon avis qui bien coûte. Ou bien un dimoun qui n'a iman, afin qu'il se trouve, qu'il se la fausse, je dis bien, qu'il se capacité, qu'il se penser, je éna. N'importe qui grandit super puissant, j'ai été, que Allah subhanahu wa ta'ala se l'aimé. Se l'aimé, toutes les choses qui existaient. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître que pour Allah, tout ce qui existait, la terre et le ciel, c'est l'aimé d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala en vie, tu fais beaucoup de causeries, le mimbar, beaucoup de gens qui font causer, qui font dire, boycott Israël.
parce qu'il veut faire dominer avec Palestine. L'autre vient dire boycott l'Inde parce qu'il veut faire dominer avec les musulmans dans l'Inde. Combien vient Djibouti vient dire boycott la Chine sur les produits, etc. parce qu'il écrase les musulmans. Mais combien parmi les musulmans vient mettre ça en pratique? Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, les musulmans la connaissent. Musulmans là. Fait nous connaître qu'Allah n'a pas besoin de nous. S'il a envie, faire une petite chose arriver le salatier là. Walillahi junudu samawati wal ard. Avec un petit virus, fin faire les mondes trembler. Un petit virus, tout le monde indécide pour parler de la Chine. Tout le monde indécide pour arrêter de manger produit de la Chine. Tout le monde indécide pour boycotter la Chine. Tout le monde indécide même jusqu'à ce que je vais faire, je vais dépasser les limites. Je vais faire discrimination envers les gens qui ont fait guerre comme un Chinois. Alors ça veut montrer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a envie de rattraper, il n'est pas besoin de nous pour ce dîne. Mais seulement si nous donnons un coup de main dans ce dîne-là, c'est pour nos propres avantages. Si nous comprenons la vie, qui la vie était dans l'Ijé Allah subhanahu wa ta'ala, et comment les sahabis, tu comprends la vie, comment les tabirines, tu comprends la vie, et en même temps nous mettons la vie dans cette façon-là, vraiment nous pour réussir le dunya et l'akhirat. Parce qu'il nous capable de faire beaucoup de plans. Beaucoup de plans nous peut faire pour nous réussir à rendre par exemple un grand la case, avec sa piscine, avec etc. Qui quantité de plans nous peut faire pour nous montrer nos roses, nos jannat. Nous capable de faire grand plans pour protéger nous à ce terre-là contre les malades, contre n'importe qui affaire. Qui quantité de plans qu'il nous peut faire pour protéger nous contre différents affaires. Chacun parmi nous, avec un signe qui nous peut trouver, avec une calamité naturelle, avec une calamité qui est causée par l'armée humaine, avec une façon qui dit qu'on peut vivre, avec une façon qui peut mourir, qui peut mourir, tout avec la drogue, avec n'importe qui, avec les autres choses. Ça permet de nous penser que mon vie est bien courte. Qui s'en a qui garantit qu'il est pour vivre jusqu'à ce jour-là fini? Personne. Mais qui s'en a qui l'a dans ce jour-là? Peut demander à Allah pardon. Qui s'en a qui garantit qu'il est pour vivre jusqu'à ce jour-là fini? Mais combien qui fait l'étranger pour venir faire un amas assal dans masjid? Ou bien qui finit faire l'étranger pour faire les autres choses, etc. Si nous comprenons l'islam, comment un tabirin tu comprends? Comment un sahabi tu comprends? Comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre d'après le Coran et Hadith? Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous comprend la vie? Certainement, nous sommes une société extraordinaire. Certainement l'islam, tu vois un din qui vraiment, comment tu étais dans l'époque de Sahabi? Un parmi les tabirines, un parmi les grands tabirines, qui reconnaît comme afdal tabirine, akbar tabirine, a'lam tabirine, plus meilleur tabirine, qui n'a plus beaucoup de connaissances parmi les tabirines, et plus meilleur parmi les tabirines. Tu étais un noir, Habashi. Il dit un noir sort d'Éthiopie. Il dit un arabe. Il dit un djimoun qui est clair. Il dit un noir. Et ben, l'ulama explique lui. Il dit un noir extra noir. Son néné est plat. Son front est gros. Quand nous guette lui, comment dire, un corbeau qui est bien cisé. L'ulama explique lui. Qui vient m'expliquer sa qualité. Qu'il était sa tabirine. Il était un esclave. Pareil comme Bilal ibn Rabah, sahabi. C'est un esclave. C'est un esclave d'une madame de Mecca. Et ça, cette tabirine-là, inconnue dans l'époque de Ban Khilafa, inconnue comme plus grand alim d'un côté fiqh. Jusqu'à tel point que l'État islamique de cette époque-là, de l'autre, pour pas profiter de quoi que ce soit, c'est comme là, excepté avec ça, un tabirine, sa esclave-là. Ça esclave qui est un alim là. Je tout, tu sais pas combien alim tu es dans l'époque là, tu es un sahabi, tu es encore vivant. Elle prend avec sa alim là, qui est un hajj et gomra, dans Makka. Et tu connais comme le grand mufti de Makka dans cette époque là. Dans cette époque là, tu es un Ibn Umar, qui est encore vivant. Parmi les sahaba. Man dimun de Makka zo tchi de bi la Makka zo nal kot Ibn Umar radhiyallahu anhu da Madina voyage. Et ensuite pose des questions. Ibn Umar radhiyallahu anhu pas répond. Ensuite li jazat kum sa ajab tu ahlul Makka. Moga étonnement avec zot
تسألوني زد فين سوتي لوا زد فيني بو فين زمان موا كو سينا ساد زد دين وفيكم ايدا زد parmi زد et dans sa grand alim là وفيكم sa grand alim là mais pas bêter sur nous là mais Dieu lui après juste pour nous kaba reste nous la tête là pour nous exsanna ça nous vie connaît exsanna oui Ibn Umar radiallahu anhu qui s'en a pas connu Ibn Umar sur Daraja dans l'islam Ibn Umar radiallahu anhu il dit al retourne là-bas al pose des questions fahoua arlam ou minni les plus connus qui moi ça peut montrer Kradar peut montrer Andimoun Kinga et Dikarcho comment Allah subhanahu wa ta'ala donne l'irizat un esclave ici un sahabi un arabe mais c'est mal il peut donner valir ça même ça dit mon là tu es esclave et dans ce maître une madame trouve-lui peut donner des efforts d'apprendre trouve-lui peut donner des efforts de faire ibadat trouve-lui qui est responsable parole qu'il lui donne il met en pratique l'autre qu'il engage avec ce maître lui fait bien lui dit moi fin donne lui liberté moi fin donne lui liberté à cause Allah l'islam Je vais donner la liberté à cause d'Allah pour servir l'islam. Je vais trouver, parce qu'il lit, il peut faire, il connaît comment vous diviser sur la vie. Il dit à ce monde-là, diviser sur la vie en trois. Qismoun, une partie de sur la vie. Il fait une question qui est obligatoire, ça veut dire ça que son maître donne le faire. Il fait tout. Une partie de sur la vie. Il fait ribadat Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'air ribadat personne pas venir dire non, personne pas venir faire non, il n'y a pas d'erreur, on se dit. Et l'autre partie, il apprend la connaissance. Il divise sur la vie en trois lits. Il divise sur la vie en trois. Ça aime à se dire, ben, quand les titres peuvent faire time management. Get kebikot de biki, l'époque, l'islam, il montre time management. Il montre comment vous divisez la vie, comment vous comprenez, comment vous prenez un kitchen, quand vous mettez un timetable, vous suivez-le. Si vraiment tous les élèves, l'école prend sa code, si seulement chacun parmi nous prend nos codes, les qui nous arrivent d'être pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous la vie n'est pas d'être, mais nous avons arrivé d'être rose, ben faras, comme salat, etc. Apprendre, ça l'est là, personne ne va venir garder nous. Les qui nous décident pour nous lire le Coran, ça l'est là, c'est nous lire le Coran. Les qui nous décident pour nous faire la carte namaz, ça l'est là, c'est nous lire la carte namaz. Les qui nous décident pour lever pour nous mettre à rajout, ça l'est là, c'est nous mettre à rajout. Peine à n'y qui rentre là-dedans, excepté ben urgent. Si nous comprenons ça, nous mettons ça dans la vie, nous vous faisons succès, pareil comme ça, sahabi, sa tabirine qui est esclave, et une plus grande alim. Tout le monde dans l'État islamique est assez plus que le gouverneur dans chaque pays, chaque leur droit. Chacun parmi nous, parmi les autres, tu peux offrir pour venir conseiller, pour venir conseiller dans notre palais, pour venir conseiller, pour assiser, c'est assiser. Mais lui, non. Il choisit pour rester sur la tente, dans ma cas, misère. Et il fait une coaching, c'est un khidmat din. Il fait une coaching, c'est un khidmat din. Il faut comprendre que la vie, c'est pas grand quelque chose. La vie, c'est faire quelque chose pour din, faire khidmat din. Ça même, cette abirina, ça s'appelle Al-Ratwa ibn al-Ribah. Al-Ratwa ibn al-Ribah, c'est lui qui comprend, c'est lui qui nous a ouvert un livre tafsir dans la vie. Comment il a ouvert un tafsir ibn al-Kathir, il trouve ça nous là. C'est lui qui nous a ouvert un livre fiqh. Quand il a ouvert les fiqh, il a trouvé qu'il y a un livre là-dedans. C'est lui qui nous a ouvert un livre tarikh islam, un livre d'histoire islam. Il a ouvert ce livre-là, il a trouvé qu'il y a Al-Ratwa ibn al-Rabah. Bilal ibn al-Rabah, Al-Ratwa ibn al-Rabah. Tu es sorti là-bas même. Tu es sorti dans l'Éthiopie. Quand l'islam se valait, esclave, tu es des esclaves. Allah, il faisait le gars de Raja. Ça montrait l'islam. L'islam, quand il donne valeur, il n'y a pas de baguette de couleur. Les baguettes que tu as sorties, les guettes d'après tes connaissances, d'après tes pratiques, d'après ce qui donne sur Allah subhanahu wa ta'ala qui donne rizet. Ban kibeko, libération esclavage, allier la vie, ban esclave dans l'islam. Et il y a plusieurs esclaves qui viennent, ban grand alim qui aujourd'hui nous obligent de suivre les autres. Aujourd'hui, ban arabe, obligent de suivre les autres. Aujourd'hui, ban chef d'état, obligent de suivre ce qu'ils ont dit. Parce que ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait faire donner une valeur à travers qui était à travers la connaissance. Al-Riba, Al-Ratwa ibn al-Riba, je tout le monde lui dans le palais, mais il n'a pas fini d'accepter, il reste dans la tente pour les coachs de khidmat din. Al-Ratwa ibn al-Riba, une fois, il a fini de déroger pour un chef d'état,
Soti Makka pour al Koufa. Il vient déranger pour la zone de sa chef d'état là. Qui réseau qui vient faire libouser? Li vin bouze zis à cause ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Li vin bouze zis à cause masla pour ummat, masla pour communauté. Li pa vin bouze par get enzimoun ris ou bien enzimoun qui veut gouverner zis pour li pour se bien fait, zis pour li gagne post-travail, ou bien zis pour li gagne casse, ou bien zis pour li pour n'importe qui affaire, pour li gagne promotion, non. Il a le guetté pour qui sa chef d'état là faire ce travail qu'il est bizarre faire. Il dérangeait, il y a le guet, l'État islamique, c'est à l'époque-là de Koufa, qui se dirigeait par un tabirine encore. Un tabirine qui tient la connaissance, en même temps, tient la adab, tu comprends. Hisham ibn al-Malik. Hisham ibn al-Malik, il dérangeait, il y allait, il y allait à Rabat, il y allait sur Bourik, sur la selle hors du bois, sur l'aise, la laine, couleur noire. Un bon man l'autre tabirine, puis à Koupa Ali, un ris, puis à Koupa Ali. Et puis à Koupa Ali, ce gars, il dit, oh papa, qu'est-ce que tu as fait à Koupa Ali? Qu'est-ce que tu as dit à Mouna? Il dit, ça dit Mouna, pas cause qu'on s'est dans lui. Ça dit Mouna, ça même moufti Makka. Après, il donne conseil, ce gars, il dit, lui, apprends la connaissance. Apprends din. Gagne la connaissance. Ta'allamu din. Avec connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es un seb du monde, si tu es un esclave, Allah fait toi un grand, Allah fait toi un valir. Si tu es un alim, si tu es un du monde qui est comme un gel, tu es déjà un an, tu es déjà possédé, Allah fait toi vivre comme un bizarre vivre la terre. Si tu es un seb du monde, Allah fait toi vivre d'après connaissance qui te apprend, Allah fait toi vivre bien. Alors, si tu es un gars, ce conseil là, prends-le, yamin ni kotri sham ibn Malik. Et dans les rôles que Trisham Ibn Malik reconnaît un dimoun qui a connaissance, un chef d'État. Il vient, il recevoir au lit, comme je dis, il recevoir un ministre. Il prend au lit, il trappe sur l'armée. Il prend au lit, il met assise, le lit sur place. Ça veut dire ce 16 qui est assise, ce trône, comme on nous dit. Mettre lit assise et lit assise en bas. Il dit, demandez tout ce que tu as besoin de nous donner toi. Demandez. Les skills, il demande qu'il soit pour lui. Il commence à dire. Il dit, Bandimoun de Makka, fin travail pour sa dina. Il a beaucoup fin travail. Il a des enfants fin mot dans l'islam, dans le djihad. Il a des messieurs fin mot. Mais seulement, je vais t'aider pour gagner des ratios. Je vais t'aider pour gagner ce qu'il est islamique doit faire. Je vais t'aider. Et faire un effort qui doit gagner des ratios dans l'air. Tout de suite, appelle ce qui est responsable là. Écris à secrétaire, écris tout de suite. Qui acheter la même, faire caravane aller et apporter chez eux, faire maillet tous les mois, je te gagne, je te rachète dans l'air. Est-ce qu'il y a quelque chose encore? Je demande, est-ce qu'il y a quelque chose? Je dis oui. Ardoul Hijaz, acheter l'aide qui grandit là. Ardoul Hijaz, le pénis, c'est l'arabe complète. Et c'est Banna, même qui vient la guerre pour sa dîna prévaloir. Banna même qui vient donner la vie pour sa dîna réussir ici. Et beaucoup parmi eux encore dans le djihad depuis l'air. Et cette madame ici, puis dans manger, puis dans boire. Make sure que ça qu'une guerre, c'est ça qui est bizarre. Pareil, repasse ça tout de suite. Allez, al vérifier que ça peine, al donne ça qui est bizarre. De cette ratio, et pas tant ça ratio dans les armées encore. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Je dis oui. Banzimma, ban kafir qui reste dans l'État islamique. Ban kafir qui peut résoudre l'État islamique, qui appelle Zod Banzimma, qui peut payer Jizya, qui peut payer un taxe pour rester hors sécurité. Ça, ban là, pareil, ça Jizya qui peut payer là. Il y a beaucoup parmi Zod qui payent un moyen pour payer. Il y a beaucoup misère. Il y a beaucoup madame qui payent un miché. Il y a beaucoup d'enfants qui offrent là, qui ne sont pas payer. Alors, faites ton raham, montrez ton pitié. Et facilite Dieu tout de suite de l'autre. De l'autre appelé qui apporte chez eux, dit aucun madame, qui je ne m'y sais, aucun veuille, puis n'a pas payé Jizya, aucun dit mon misère, puis n'a pas payé Jizya, excepté ben qui n'a moyen, je ne m'y sais pas payé Jizya, et qui consiste, je suis capable de payer. Get ça à l'imna, ce tracas. Get ça à l'imna, ce tracas. Il y a un esclave, il n'y a pas de la case, il y a un latot, il y a un bourrique. Et bien là, tu fais voyage pour cheval, pour carrosse à l'époque-là. C'est à l'époque-là, l'État islamique, tu risques.
Quand tu finis de conquérir, il y a beaucoup de pays, tout ça là, tu es très ça. C'est à l'époque là, mais seulement lui, il ne reste misère. Mais qu'est-ce que Sofikar, c'est Ummat. Ensuite, il pose question. Hicham ibn Malik pose question encore. J'ai dit, Beskin encore quelque chose. Normal, qui dit vous demande, Justin, fini de demander ça, il ne peut pas penser qu'il vous demande quelque chose pour lui. Il dit, oui, il n'a aucune quelque chose. Il dit, ittaqullah fi nafsik. Ittaqullah fi nafsik. Il dit, oui, il n'a aucune quelque chose. Les causes avec chef d'état là, c'est-à-dire. Il dit, ittaqullah fi nafsik. Paix à Allah concernant toi-même. Fa innaka tarishu wahdak. Quand certainement toi, tu peux vivre tout seul. Wa satamutu wahdak. Et tu peux mourir tout seul. Wa satubrasu wahdak. Et tu peux lever des bikabar tout seul. Wa satakoumu amam Allahu wahdak. Et tu peux debout devant Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Ça qui m'a dit, elle n'a pas bien raconté cette histoire là. Pour banane mettre ça, pour banane ulama, il met ça dans les histoires. Parce que ça, mais ça, ça nous a compris aussi. Laisse-moi ça aussi. Mais quoi, c'est même. Fait que moi, j'ai quelqu'un qui donne moi à cause là. Père Allah toi-même, Salim. Père Allah toi-même. Banane rien qui te peut faire. Père Allah, pour Allah, attrape-toi. Tu as un safe dans la case, toi. Père Allah pour toi. Tu as un safe dans ton travail, Père Allah pour toi. Tu as un safe dans ton madrasa, Père Allah. Tu as un safe dans ton école, Père Allah. T'es un chef toi, t'es un leader toi. Tout le monde est leader. Chaque le monde est dans ce cas, Allah donne le leadership, soit dans la case, soit concernant, soit dans son travail, soit n'importe quoi. Chaque monde est un leader dans une place. Père Allah. Et connais qui te peut vivre tout seul. Et connais qui te peut mourir tout seul. Que ça n'a pas avec nous dans le kabar. Personne, excepté nous, Armal. Et connais qui nous peut lever depuis le kabar tout seul. Avec nous, Armal. Et quand nous avons dit devant Allah tout seul, avec nous, on a mal, quand nous avons une réponse. Personne ne va venir faire chafarat pour nous, excepté Jésus Allah, alayhi wa sallam. Mais avant, nous sommes capables de prendre réponse. Qui nous a amené, qui nous prépare pour nous la vie. Hicham ibn al-Malik, chef d'État. Chef d'État, l'État islamique. Il est déjà assisé. Il est assisé un petit peu crabossé. Il commence à pleurer. Il pleurait jusqu'à ce la barbe remplie avec l'homme, ce lèse rempli avec l'homme. Correct, il comprend le message. Alim, il vient, pas de monde, non, il est pour lui. Il a fini à ce qu'il est sorti, quand il est sorti, un parmi les soldats, il a mis une boîte, puis donne-lui. Alors, toi, Ibn Riba, une boîte qui n'a qu'une l'eau là-dedans. Il a dit ça pour toi, te servir ça pour toi. Ça qui les autres bandits de l'État islamique pour donner ça pour toi, ça. Nous pouvons donner toi cadeau, ça. Ali me dit comme ça, non. Hayha, laïtani. Malaya à moi. La as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Cause comme un prophète fin causé. Je ne vais pas venir là pour demander non, y'a moi. Je ne vais pas venir là pour demander non, y'a moi. Je ne vais pas venir là pour demander toi, mas'ala ummat. Je ne vais pas venir là pour demander non, y'a pour moi. Moi, ce qui me bâtit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui récompense moi. Ça même qu'appelle Az-Zuhd. Ça même qu'appelle Az-Zuhd. Quitte dunya pour akhirat. Si vraiment un musulman comprend ça, trois petites choses qui nous apprennent. Dans sa tigre de l'état qui nous est là, il n'a aucun temps de choses qu'il n'a pas apprendre dans sa vie. Mais seulement nous comprenons qui est ceux qui nous tire, qui fait nous dire ça. Qui est ceux qui nous pense, nous besoin de mettre en pratique. Que ça cherche là. Sa alim là, sa esclave, qui vient de un grand alim, qui vient de un grand mufti de Makkah, qui dans tout le livre, à ce là n'importe qui fait qui nous suive, n'importe qui mazhab qui nous suive, il prend avec à toi. On a beaucoup, il prend avec à toi. Ibn al-Riba. Alors, je comprends bien, qui est chose qui nous a là-dedans? Qui est les sceaux qui nous tirent là-dedans? Chacun parmi nous, peut-être nous finissons avant les sceaux, mais peut-être nous avons trois points, Inch'Allah, qui. Nous trouvons trois leçons qui nous réciterons, mais qu'à part de gratter 10 qu'il faut, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفره إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله وصلي وسلم على مبعوث للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Les choses que nous tirons avec sa sahabi, avec sa tabirina, qui finit apprendre avec un grand sahabi, finit apprendre avec Abdullah ibn Zubayr, finit apprendre avec Abdullah ibn Umar, finit apprendre avec Abdullah ibn Mas'ud, finit apprendre avec beaucoup de sahabi oko. Pendant 20 années, il finit consacrer sur la vie en l'éducation. Quand sa madame la finit donner sa liberté, sa décide de vivre sur la vie de son dé. Ainsi, pour ribadet, pour faire Allah, pour ribadet, falas, et puis pour nafil sacrifier. Pour les personnels, une ribadette personnelle avec un tiers pour le reste, pour chercher la connaissance. Nous apprenons qu'avec la connaissance, c'est lui qui apprend la connaissance digne, c'est connaissance qui donne un reset. Connaissance, il n'y a pas de couleur. Connaissance, il n'y a pas de qualité. Connaissance, il y a de sincérité qui dit qu'on peut apprendre et qui peut faire avec ça. Parce qu'il connaît, il dit qu'il y a connaissance. Il connaît qu'il y a pour répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala. Connais qu'il y en a pour répondre parmi les qui brotent de leur fait premier, c'est Bandi Moun qui a la connaissance. Pour poser des questions qu'ils ont fait avec leur connaissance. Et là, ils ont dit oui, nous servons ça pour faire ça plaisir, nous finissons pas taser. Non, tu finis faire ça pour Allah, j'ai un grand alim. Alors, ça, Bandi Moun finit dire. Pour Bandi Moun, j'ai un grand alim, Bandi Moun finit dire, tu finis dire, c'est que tu es bizarre pour donner l'autre, pour te rappeler, pour figuer, vous êtes là. Connaissance. Un tabirin dit comme ça, concernant ça, sahabi là. Les dires, je dis, nous ne pouvons pas trouver personne parmi les tabirines qui tiennent sa quantité de sincérité pour apprendre la connaissance là, excepté trois. Parmi les numéros un, c'est Al-Rabah, Al-Ratwa ibn al-Ribah, Li, Al-Tawus ou Al-Mujahid. Trois, c'est les tabirines qui nous pouvaient n'importe qui les tafsir nous trouvent de nous. Deuxième question qui nous apprend, les choses qui nous tirent avec sa sahabi là, qui nous permettent dans nous la vie, dans nos pratiques. C'est qui façon qu'il fait ce time management? Qu'il garde un letter spécifique pour faire telle action, un autre letter spécifique pour faire telle action. Ben nous vous divisons, nous la vie au moins avec ribadet, parce que nous la vie c'est ribadet. Quand nous disons ribadet, nous devons dire un ribadet qui nous fait personnel pour nous. Mais c'est moi, nous la vie net, c'est ribadet. Nous vous qu'on divise nous letter aussi. Nous garde letter pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'état pour nous la famille et l'état pour apprendre la connaissance d'Ine, pour proposer, pour mettre en pratique. Dernière question qui est très importante, que nous sommes capables de tirer de sa leçon là, et dans quoi ta leçon nous sommes capables de tirer, c'est qui les finzettes qui dunya pour akhirat, az-zuhd, zahid. C'est un grand ribadet qui est recommandé pour faire ça. Peut-être qu'il faut beaucoup parmi nous pas entendre ce mot là, az-zuhd. Nous avons dit ribadat salat, nous avons dit al-ribadat al-zuhd. Quitte dunya pour akhirat. Quitte dunya pour akhirat. Ça veut dire quitte dunya. Si vous travaillez haram, disposez pour quitte qui travaille haram là. Pour le travail plus tchigit, pour gagner plus tchigit, mais à cause akhirat. Si action que vous pouvez faire haram, vous pouvez penser, vous pouvez gagner casse avec ça. Disposez pour quitte li, pour le faire plus moins. Quand même gagner plus tchigit. Quand même, quand il y a une misère, quand il y a une difficulté, ça s'appelle Zuhd. Zuhd ne veut pas dire qu'il y a complètement, mais lui, ben Sarabi, ben Tabirin, je ne comprends pas qu'il y a une vie complètement et je suis mettre en pratique. Je suis vivre, je suis manger, boire, faire ribadat, apprendre, donner connaissance. Ça me fait de la vie de chéter. Nous, la vie ici, capable comme ça, pas nous pas travailler. Travail. Mais qui constitue nous travail, nous finissons faire travail, nous travaillons under time, nous travaillons in time, nous travaillons over time, nous travaillons dans son milieu. Ce qui est arrivé actuellement. Comme je dis, comme Zénès qui a été travaillé dans mon privé, je dis même que je dormi, je commence à travailler. Je ne sais pas ce qu'il faut faire demain. Dans ce sommet ici, je suis travaillé. Tandis que nous avons été, nous avons été dans le ribadat ramata in the time. Nous avons été dans le ribadat in time. Nous avons été dans le ribadat over time. Et dans ce sommet ici, nous avons été dans le ribadat. Que nous étions avec Dine. Que nous étions avec compréhension. Que nous étions avec Dine. Et si vraiment nous prenons ça, nous mettons ça dans la vie, frère, nous tu comprends. Un dernier conseil que ça a l'air de nous donner, et qui va nous rapporter, et ça conseil là, un parmi un groupe de gens qui viennent joindre, un son cousin, il dit avec ben là, il dit, je vous donne un conseil qui est à l'oratoire, Ibn Riba, si donne-moi. Si je mets ça dans la vie, et moi, je vais mettre ça dans la vie, et ça aide-moi beaucoup. Mais là, pose question avec lui, tu poses question avec lui parce qu'il tient Mufassir. Et tu peux faire tafsir Coran. Et apprendre avec un grand Mufassir. Un grand qui explique Coran. Mais là, pose question avec lui qui veut dire quelque chose inutile.
qui veut dire al-fudala. Dans cet ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhi walladhina alladhina hum anillahi mughridun, ban qui reste loin avec ban qui chose inutile, ban qui vient les deux avec ban qui chose utile. Qu'est-ce que ça ban qui chose inutile? Ban a posé question. Et je kunna na'uddu kulla shay'in fudala. Nous dans l'époque nous prenons toutes les choses inutiles. Dans l'époque ban sahabi ban l'époque ban tabirin, toutes les choses qui existaient inutiles, excepté si toutes les choses inutiles ça veut dire bien non, excepté ma radar, excepté Al-Qur'an, excepté Qur'an, yuqra'u wa yufham wa yughmalu bihi. Excepté Al-Qur'an qui nous lit, nous comprend et nous met en pratique. Au hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yurwa wa yudra, qui nous propose lit. Nous propose hadith là et nous met en pratique. Au kalamun yuqarribuka ila Allah, ou bien une parole. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ben tasbih, ben zikar, qui rapproche-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au kalamun fi ma'ayashetik, ou bien ben parole qui concerne la vie. Par exemple, demande libre côté humilie, par exemple, qui s'en a pour manger, qui vous a fait de manger, ben d'affaire qui concerne la vie, te cause ça. Mais qui veut dire, ben donne une description qui veut dire ben inutile. Qui veut dire ben quelque chose inutile. Au. Ou bien une question, ou amara bil maghroufin, ou bien une parole qui te donne l'autre pour faire du bien, ou nahya anil munkar, ou bien te donne un peste de mal. A part ça, tout quelque chose inutile. Ensuite, il dit, ama testahyi, est-ce qu'ils ont pas bougé ôté, après qu'il dit des ayats Coran. Après qu'il dit ayat Qur'an, il dit Atun Kiruna, est-ce que je peux résider ayat Qur'an, qu'Allah dit de Qur'an, Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Est-ce que je peux résider ayat Qur'an, que Dieu le sacre parmi nous, et n'a pas écrit ce qu'il nous dit et ce qu'il nous fait? Est-ce que je peux résider ayat Qur'an, que Dieu inna alaykum la hafidin kiraman katibin? Est-ce que je peux résider ayat Qur'an, qui veut dire, et n'a ban quelqu'un qui veut écrire tout? Man os qui écrit tout qui roman katibin, tout ce qui te fait, tout ce qui te dit, ama testahyi. Est-ce qu'il te va bouger ou te va bouger ôté? Est-ce qu'il te va bouger ôté? Quand tu présentes, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous donne toi ton livre dans ton armée, fara'a fiha, fa ma tara fiha, aksaru ma tafghalu lil akhira. Et tu vas trouver là-dedans, tu qui te fais accepter tigit pour akhirat. Il va arrêter la même. وَمَا تَفْغَلُ كَثِيرًا لِلْدُّنْيَا. Et tu vas faire noyer pour dunya, si tu fais tchikit pour dunya. Qui fait? Qui fait? Il fait tchikit pour akhirat, il fait tchikit pour dunya. C'est qui fait? Parce qu'il nous l'état, nous la vie, nous causer, il n'a pas quelque chose inutile. C'est vraiment, nous prenons ça causer la côte, chers frères et sœurs. Nous mettons ça en pratique dans nous la vie. Nous commençons à couper. Prends écrire dans le cahier. Comment se coupe tout quelque chose qui appelle inutile? Excepté ça quelque chose qui nous dit là, Coran, Hadith, d'un conseil qui beau, en personne n'est mal, de causer ça qui est bizarre concernant dans nous la vie, et lire Coran, etc. Quelque chose qui nous fait finir dire, excepté ça quelque chose là, si nous mettons en pratique dans nous la vie, nous pouvons faire succès dans dunya et akhirat. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلم ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد avant que nous terminions il y a un message qui est très important qu'Inch'Allah il y a un frère d'un fils au bas peut-être qui va ramasser un gilet pour envoyer la Syrie. Alors, ce qui a envie, ce qui a décidé, ce qui a dit, je te conseille, je te fais, je te donne un coup de main là-dedans, un gilet pour les enfants qui peuvent venir de la Syrie. Et ça, il y a une organisation de Médine qui peut organiser ça. Alhamdulillah, correct. Mon frère est tout ensemble avec lui. Alors, il y a un gilet spécifique qui est dans la fiste là. Alors, ce qui a décidé, pour Masjid ici, je suis capable de venir avec le dirigeant Masjid ici, ou bien n'importe qui s'en a, qui est comité Masjid, je suis capable de quitter ce gilet. Et ça, pour venir dans la Syrie. Pour mes enfants, de bas âge. Alors, le gilet qu'il recommandait, c'est le gilet qui, sur le Tchèque, il mettait le gilet là-bas pour faciliter, parce qu'il va n'agiter, si ça saute la Chine, si ça saute d'autres places, de capable qu'on dise, on peut se compter dans la même allée. Alors, ça donne préférence, ça gilet qui sur le Tchèque. C'est ça qu'on va faire.
Allah subhanahu wa ta'ala accepte ces efforts qui nous fait là. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qimu li salatikum.